Je vais parler avec le sénateur Annick Pierre, si avec le député Jovenel, lui, nous avons parlé seulement de circonscription Terre Rouge. Avec le sénateur Pierre, nous pourrons surtout mettre accent sur tout ce qui a fait dans le département nord-est. Nous jouons dans l'idée pour faire la population connaître ensemble travail qu'a réalisé dans le cadre de caravane changement. Là, nous trouvons nous connaître dans la commune Terre Rouge, dans le département nord-est. Nous avons avec nous le sénateur Annick Pierre, lui-même qui est sénateur département ça, lui-même qui va le faire rallier avec nous sur divers travaux qu'a fait dans le département là. Sénateur Annick Pierre, Télévision nationale d'Haïti, salut. Nous connaissons ensemble travail qu'a fait là. Dis-nous tout d'abord comment est le travail ça qu'a fait nous. Bon, moi, salut et je profite l'occasion pour me capable de saluer tout le monde qui a attendu et qui a regardé moi dans le moment. Et je pense que le département nord-est, c'est un département où nous vraiment impatient de arriver caravane dans le niveau du département. Même quoi que, tu as un centre de forum des élus qui était fait dans le niveau du département nord-est, là, côté tu as gagné ASEC, KAZEC, délégué des villes, magistrats, députés et sénateurs, côté que tu as gagné un document, m'dava dit, qui était validé par ensemble élus, ça y est. Et m'kwe que nous avons démarré dans commune. Terre Rouge, en passant par Grand Bassin, en passant par Perche et jusqu'à Vallière. Je pense que des capages qui sont en fin de fête, qui ont remblé, normalement qui commençaient à émettre. Et je crois que dans la commune de Rouge du Nord, je vais dire toute rue honnête qui est censée fin de décaper, rue Saint-Charles, rue Lacroix, toute l'autre bout de rue qui gagne dans la ville là, toutes déjà décapées. Et je crois que rue Saint-Charles qui est en temps à 75-80% déjà gagne asphalte et souli. Et je crois qu'il y a un pile monde dans la communauté a te quoi c'est pour fête là qui permet que travail ça au ta fête. Et bien nous te dit yo c'est un travail qui pour aller et bien au-delà de 24 juin et ça permet que hier moi été en contact avec le ministre qui était metté en contact disons nous te font conférence call entre moi-même ministre avec directeur départemental TPTCA moi quoi d'ici lundi normalement travail au même il a reprendre dans niveau commune Trou du Nord et moi c'est pas simplement dans centre ville Trou du Nord travail au même il a fait dans cité yo cité tant qu'au cité la Valence tant qu'au zone Paloma est en zone Dorema, zone en bas cimetière, et travail bien bien fait. Section communale, des zones dans quoi cachement, zones dans quoi pilette, dans quoi rouge plate, c'est travail à fait. Parce que ce n'est pas simplement centre-ville qui était voté, qui était voté président. Section communale, habitation, je pense que le travail a continué. Dans le niveau communauté à rouge, moi, c'est même réalité. Hein? Ils ont des centres de santé, presque quoi, ils ont une première tranche qui est disponible déjà pour capable réhabiliter. Centre santé dans niveau Terre Rouge, il y a un barrage cimetière tout, c'est sûr qu'il y a une première tranche qui est là déjà, c'est sûr c'est fait la technique sur Tapton pour capable commencer le travail. Dans niveau PH, c'est même réalité, il y a un centre santé et pas plus tard que hier, on débat avec le directeur départemental là qui c'est Jean-Denis Pierre qui dit vrai. Et il est important pour nous rencontrer, pour nous capables de lancer le centre santé Perche là. Et je crois en termes de réhabilitation place et Perche là tout, déjà gagné 1,6 million de gouttes qui étaient déjà, déjà décaissé avant 13 juin. Et bien c'est fait la technicien, le monde qui représente le film dans Tapton, pour que normalement le travail même commence. En un mot, je pense que Nord-Est a lui-même démarré, Nord-Est en chantier, fait 3 mètres pour arriver là l'autre semaine. 15 août et c'est sûr qu'il y a un engagement qui prend côté que première semaine juillet ou plus tard et bien tout matériel 75% matériel qui a trouvé une autre fait que le travail de capage la fin fête c'est simplement et bien asphalte qui va arrêter et bien matériel ça y a même pour le transporter à Wanamet pour que normalement et cité yo les zones village des oliviers par exemple zone en bagaya ou comprendre ça m'dola et avenue soleil dans Wanamet et bien c'est sûr yo va le mettre main et ceci c'est sans camper, c'est-à-dire 13 communes dans le département nord-est là
36 sections communales, c'est ceux qui ont un travail, et bien qui commencent dans eux, qui ont un travail, qui a continué à faire dans eux. Alors ça, nous disons dès le départ, nous dit que c'est difficile, c'est extrêmement difficile pour travailler, commencer dans 13 communes en même temps, puis commencer dans 36 sections communales en même temps. Il faut que normalement nous gagnions un côté qui a commencé. Et c'est ça lui-même qui fait, et je pense que le travail lui-même a continué. Parce que nous avons notre dette, c'est un peu de promesse. Quitte moi-même comme sénateur, quitte président Jovenel, eh bien, nous avons une entière responsabilité pour que normalement nous soyons capables d'honorer la promesse qui nous a fait dans la campagne. Nous avons sauté de toute la décence, sénateur. Nous avons dit débattement, nous avons dit lien chantier normalement. Eh bien, nous avons un barrage Marion, tout, nous avons une grosse avancée qui a fait là-dedans. Bon. Barrage Marion lui-même pensait que c'est pas un projet Jovenel Moïse Gen Jodian. Son projet qui était là depuis le Jovenel était président normalement Agbitrans. Ça veut dire que c'est suivi en cap fait déjà, mais son projet qui est là depuis 3-4 ans. Et je crois que c'est pas simplement projet Marion. Il y a l'autre qui passe à directeur général Douane, M. Janvier, à directeur général APN, pour que normalement le port Fort Liberté, la douane de Fort Liberté capable ouvert. Et je pense que très prochainement, il est question de faire une visite dans Santa Carrelé, Fort Saint-Joseph à Fort Liberté, parce que le président qui a passé l'ordre à ministre Tourisme pour que normalement les travaille pour capable et bien réhabiliter Fort Saint-Joseph à Fort Liberté. Et travail en pile, j'en nous connais yoa, non pas qu'a dit dans 6 mois, dans 1 an ou bien pendant mandat Jovenel là n'a pas résolu dans tout le monde qui a résolu, mais c'est que nous-mêmes nous gagnons entière responsabilité pour nous capables de travailler, pour nous capables d'améliorer la situation difficile de la population. Mais pour Saint-Charles, il y a asphalté ça. Entre temps, dans le jour où il y a l'autre, il va continuer à asphalter. Bon, moi, c'est gagné un premier contrat de 30 millions de gouttes qui signe entre TPTC Finance avec un film qui est le Coamco. Coamco déjà gagné près de 6 millions de gouttes qui déjà disponible déjà pour travailler même était commencé, c'est sûr. Et bien aussitôt que première tranche lui est épuisé, c'est sûr qu'il va on demande de décaissement dans deuxième tranche pour travailler quand même continuer. Mais j'aime dire là, ça qui est sûr là, président lui-même lui prend responsabilité, même son tout rap qui est dans niveau commune du Nord, il faut que normalement le boucher moi c'est dans ça. Et nous-mêmes qui nous la seule chose, il y a des côtés qui mal construits, ça, il va demander pour que normalement ils retirent quelques péons. Et ils font reculer. Et moi, que moi-même, comme une zone, surtout à Trou du Nord, Maïsra, nous parlait déjà, c'est sûr, entre demain ou dimanche, nous parlons dans la radio, nous parlons chita avec Mounio pour au moins nous capables d'expliquer. Par exemple, sous une zone d'un Rediké, par exemple, son zone des machines. Pas capable la donne, c'est un nan qui était doué et bien asphalté avant 24 juin. Moi-même, j'étais jugé bon pour me parler avec le président et ne parler avec le ministre PDCA. Côté que normalement, il est d'accord avec moi, il faut que normalement, il soit capable d'agrandir. Et je crois que Maïsra, encore une fois, a une responsabilité pour que normalement je chite avec Mounio pour expliquer aujourd'hui, ce n'est pas diminuer la population, c'est augmenter la population. Moi, c'est aujourd'hui, il faut que normalement nous réfléchissions grand au lieu que nous n'avons pas le fond de bagaille, demander dans 3 ans, 4 ans pour craser pour nous capables d'élargir. Dernière question, sénateur, est-ce que même film ça qui pourra le mettre à asphalte sur le terrier où je vais aller là? Bon, pas qu'à bonne explication et sur ça. Ça me connaît. Pour Trou du Nord, c'est Coamco qui est responsable pour capable mettre asphalte. Alors c'est pas les qui signent un contrat, non. Ça veut dire ça qu'a fait là dans niveau Trou du Nord, c'est plus Santa Carrelé, y ont partenariat qui fait entre privé, public et communautaire, parce qu'il y a des films dans niveau Trou du Nord, dans niveau communautaire et qui engagé. C'est comme sur l'orive ou pas, c'est Mounio même dans cité ou dans section communale qui travaille. Et me connais dans niveau Anamet, c'est même formule ça. Nous va kembe cap haïtien, c'est même formule là, c'est dans cité ou même, c'est dans section communale ou même Mounio prend monde.
des films locaux qui va permettre que les petits cobles lui-même fait qui était dans zone même. Un dernier message pour population. Bon, message là par l'autre, c'est solidarité, c'est synergie. Je dis hein, c'est vrai que bagaille est difficile, même quoi c'est pas dans la rue, hein, n'a pas résoudre, c'est pas dans voyer monter, c'est pas dans monde qui croit dans politique aérie, c'est pas dans monde qui croit et faut retirer puis au moins pour me mettre pied, moi crois que c'est dans rien pays, hein, c'est dans chita et parler dans solidarité l'un avec l'autre, moi crois n'a pas censé arriver dans pays que nous tout arrimer qui belle là. Merci sénateur. D'accord, c'est moi qui remercie. Voilà, nous sommes des réactions, sénateur Nordest, Oanik Pierre, lui-même qui souhaite parler de l'ensemble de la fête dans le département, quand il profite de la population pour prendre patience pour l'autre commune, travailler à Vinsuyo dans le jour qui venir. C'était Richard Sonjoudan pour la télévision nationale d'Haïti. Sénateur Oanik Pierre, sénateur Nordest, qui t'a partagé avec nous ensemble réalisation et caravane dans le département palien. Et nous t'a gardé avec lui quelques éléments, je dis, qui fait commencer une certaine différence dans le département. Profiter, garder, n'est-ce pas, impact travail ça a gagné. Et ouais, tout avec lui, comment la population département réagit par rapport avec GFOC a fait pour mettre en pile commune dans le département ça en chantier.